Ça va, Fief? Dans la vraie vie, je suis pas autant taré que dans mes vidéos. Je me suis déjà tiré une balle. Parler pendant des heures, pour faire une vidéo de 3h30. Ouf. 2012, Athénée Provinciale, Jimmy Laveu. Je parlais un peu de thug. Je n'ai jamais séché un cours de ma vie. Parce que j'adorais aller à l'école. C'était mes premières scènes, j'aime bien dire ça. Des fois, on arrêtait limite le cours 10 minutes avant pour que j'aille au tableau, que je fasse quelques blagues. Mais à l'école, Jimmy Laveu était gentil. C'est un petit cancre, mais sympa, quoi. C'est mon meilleur ami, c'est Anthony Lastella. L'amitié, c'est pouvoir boire des verres pendant toute une soirée sans jamais s'emmerder. Ça, c'est l'amitié. Tomorrowland 2016, pas un très bon souvenir. J'ai pas trop kiffé en fait. Mais je préfère les plus petits festivals où t'as vraiment une dizaine d'artistes et pas 150. Ce que j'écoute, moi, c'est de la techno, de la minimale allemande surtout. J'aime bien la musique de chansons françaises ou des trucs comme ça, ou du rock ou des machins. Mais ça me transporte pas autant que la techno et la trance par exemple. Ça me met en trance, voilà. Je préfère une bonne chimée bleue le dimanche après-midi sur ma terrasse qu'une dizaine en soirée. Je suis belge donc je sais pas dire. Est-ce qu'on s'amuse bien avec nous? Mais je pense qu'on est accueillant, qu'on est fait tard, qu'on sait vite s'amuser, on se prend pas la tête. C'est mon acteur préféré. C'est mon père qui m'a filé cette culture, comme ce soit dans les Laurel et Hardy ou les Buster Keaton dans les films en noir et blanc. Il m'a passé cette culture de cinématographique. On montrait tantôt c'est arrivé près de chez vous. T'imagines, tu fais ça maintenant? Qu'est-ce que tu te ramasses? Non, tu te fais déglinguer. Hein. Mais ça, c'est grâce à mon père. Donc merci papa de m'avoir offert cette culture et non pas les merdes qu'on peut nous servir en ce moment. Je lis aucun livre, sauf les livres sur la Seconde Guerre mondiale et les livres sur les requins. Chacun a son petit kiff. Mais mec, c'est pas vrai. Michael Owen, je pense que j'ai 17 verreuses de lui. Mais c'est toute ma vie, Michael Owen. Vraiment, c'est au même style, c'est plus grand que Steve McQueen et que Poulvord. Ouais. Même s'il a été beaucoup critiqué, je préfère Mark Wilmot. C'était un gars qui vivait avec eux. Voilà. Gaëlle, ma petite chérie. On est dans le VIP d'Underleg, je te jure, alors que j'aime pas du tout, on a été invité. Ça fait maintenant... Je suis très nul, moi, en date. Elle va me massacrer. Non, elle est pas là, ça va. Non, elle est là-bas. Ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans. Le mec, il balance ça comme ça. Mais écoute, c'est une vraie... C'est vulgaire, mais c'est une vraie question. C'est une vraie expérience. Imagine, tu assistes à un tournage de film de cul. C'est quelque chose d'hallucinant. Et j'ai demandé, chez mecs qui répondent tout le temps. Je pense qu'ils vont vraiment me demander et je te jure, j'y vais. Hein. J'ai trop envie de voir, même pas quand ils font l'acte. On dit, moi, ils se disent bonjour le matin. Est-ce qu'ils se disent bonjour en faisant ça ou comme ça? Je sais pas, tu vois. Moi, comment ça se ressemble à un ingé son au film de cul, tu vois? Je sais pas. Ça me, c'est pas. J'ai envie de voir.